On prend la destination de la région de l'Indénier-Duablin, précisément le village de Zamaka, à 22 km du chef-lieu du département d'Abengourou, où les populations de cette localité se sont retrouvées pour l'Assemblée générale élective, marquée par la réélection à l'unanimité du président sortant et de la distinction des meilleurs élèves du préscolaire et du primaire. Au cours de cette rencontre annuelle, les populations et les cadres du village ont ensemble évoqué les grands points de développement majeurs concernant la vie de leur village. Suivons le point de Anissé Kouadio, notre correspondant dans l'Indénier-Duablin. Ici, c'est Zamaka, dans la sous-préfecture de Yakassé-Féyassé, à 22 km du chef-lieu du département Abengro. Ce jour se tient, à la place publique du village, l'Assemblée générale élective de la Mutuelle de développement économique et social de Zamaka, Mudesa. Après 9 ans passés à la tête de cette mutuelle, Maître Assiyoué Aka Edmond rempile pour un 4e mandat à la demande de ses parents. Il a exprimé sa gratitude aux populations de Zamaka pour la confiance. Un grand merci à toute la population de Zamaka pour la confiance que tout ce monde-là place en ma modeste personne. Nous avons entamé du travail pour le développement de Zamaka. Et si aujourd'hui j'ai été plébiscité, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et je tiens à les remercier pour cette confiance-là. Maître Assiyoué Aka Edmond nourrit de grandes ambitions pour le village. Notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est tout faire pour avoir un centre d'examen. Et à défaut d'avoir un centre d'examen, nous voudrions que peut-être la DECO accepte que Zamaka soit un centre de composition pour que les enfants puissent travailler sur place ici. Cette assemblée générale élective de la MUDESA a été marquée par la distinction des meilleurs élèves de la maternelle au primaire, de CP1 au CM2 de l'année scolaire écoulée. La mutuelle veut préparer les futurs champions du demain en les stimulant à garder le cap de l'excellence. Ça va m'aider à la future rentrée, à faire de moins de dépenses. Merci au président de la mutuelle et aux parrains. Cette assemblée générale élective, doublée de journées socioculturelles, sportives et des distinctions parrainées par un fils et cadre du village, colonel Kwame Brou Didier, directeur régional des eaux et forêts du Gbeke, a invité les jeunes et les femmes au travail. Les élèves primaires, je les encourage à faire plus aux villageois un appel pour l'autonomisation d'abord de la mutuelle, la sécurité alimentaire qui passe par la mise en culture des terres arables. La Mutuelle de développement économique et social de Zamaka, Mudesa, a été créée en 2014. Maître Assiyoué Aka Edmond, qui en est le 4e président de l'histoire, est le greffier en chef de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires.